Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, Dieu, viens illuminer les ténèbres de nos cœurs. Prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Voilà. Nous allons maintenant chanter le gloire à Dieu, la gloire que de celui qui vient nous et que nous devons acclamer, que nous avons acclamé dimanche dernier. Et on le fera avec le son des cloches au début et à la fin de Gloria. Gloire à Dieu. Nous te prions, nous te rendons grâce pour ton immense.
Tu nous appelles Dieu notre Père à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'Alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de ton amour, la charité et la vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous allons maintenant écouter les Écritures. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. » Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants du linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge. Vous la fêterez. Parole du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sein du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sein du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brises les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sein du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple, la coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc,
Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est lumière. Gloire à toi, Seigneur. Ta parole, Seigneur, nous libère. Gloire à toi, Seigneur. Ta parole aujourd'hui nous fait vivre. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, s'élève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui il s'est nu à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je vais faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « tu me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes pur, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tout pur. Quand il a eu lavé les pieds, il reprit son vêtement, s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison, car vraiment je le suis. Donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Chers sœurs, chers frères, c'est aussi en lisant ce texte, j'ai été frappé par un mouvement de Jésus. Pendant le repas, il s'éleva. Je me suis dit, mais pourquoi pendant le repas? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après?
quand on relit la, on regarde la célébration de la Pâque juive, il y a un repas unique. D'abord, c'est l'Agada, où on fait mémoire, où les enfants demandent à leurs parents pourquoi fait ci, pourquoi fait ça, pourquoi on mange les belles-mères. Et là, on fait mémoire de tout ce que le peuple Israël a vécu comme expérience de libération. Et c'est un peu qui a suivi la formation à quoi ça sert la messe. C'est là qu'on voit comment, à la fois, notre liturgie est calquée sur la liturgie juive et en même temps, il y a un renouvellement, une nouveauté. Donc, disons que la Gada, c'est le côté écriture, la table de la parole, où nous faisons mémoire. Et après, nous passons à la consécration, à partager le pain, boire la coupe, où vraiment nous faisons un avec le Seigneur, où lui vient nous donner la force, où nous sommes unis et nous sommes prêts à accomplir la mission que lui a commencée et que nous, en tant que membres de son corps, nous devons continuer à faire. Si nous allons communier, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour prendre la force de transmettre cette vie qui vient de Dieu. Donner cette chance, cette liberté qu'il lui donne. On revient, si vous voulez bien, sur le geste où tout se change. C'est le fait que Jésus se lève et lave les pieds. Habituellement, dans la liturgie, on se lave les mains à ce moment, dans la liturgie hébraïque. Alors ceux qui pensent qu'aujourd'hui c'est mieux laver les mains que les pieds, ils ne font pas un pas en avant, ils ne font pas en arrière. Et l'important, c'est de comprendre que Jésus, en lavant les pieds, s'est mis entièrement dans les mains des hommes, dans la main des hommes. C'est Dieu Tout-Puissant, s'est fait comme un esclave. Et il y a deux choses. D'un côté, il se met à la merci de l'homme, mais aussi, il se remet à la liberté de l'homme. Nous sommes libres d'accepter ou de renoncer à ce qui nous est proposé. Libres de le suivre, de vivre avec lui, de mourir avec lui, afin que la vie continue. Donc, cette repas qui nous célébrons aujourd'hui, c'est la mémoire, non pas seulement que désormais il n'y a plus besoin des sacrifices, mais aussi que nous, avec le Christ, nous devenons un. En communion avec sa vie, nous devenons des gens qui vont vers les autres. Nous pouvons connaître beaucoup de choses, être des théologiens hyper doués, être des orateurs incroyables. Mais si nous n'allons pas jusqu'à épouser le message de Jésus, qui dit « Je suis maître Seigneur, et c'est moi qui est maître Seigneur, c'est mes à votre service, vous devez faire de même. » Frères et sœurs, évoquons le nom du Seigneur. Dans ta miséricorde, exauce-nous, Seigneur. Dans ta miséricorde, exauce-nous, Seigneur. Vous répéterez chaque fois après chaque prière ce refrain, si vous voulez bien.
Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Pour les malades qui souffrent du Covid-19 ou de toute autre maladie. Pour les familles endeuillées qui doivent s'adapter aux conditions actuelles pour accompagner leurs défunts. Pour les personnes qui souffrent de l'isolement, de maltraitance. Seigneur, accorde ton soutien et ta force. Dans ta miséricorde, exauce-nous, Seigneur. Dans ta miséricorde, exauce-nous, Seigneur. Alors, il se mit à laver les pieds de ses disciples et à essuyer avec le linge qu'il avait à sa ceinture. Pour tout le personnel soignant au chevet des malades ou des plus faibles, pour les personnes qui travaillent pour le bien de tous, pour ceux qui agissent pour maintenir du lien. Seigneur, accorde ton soutien et ta force. Dans ta miséricorde, exauce-nous, Seigneur. Dans ta miséricorde, exauce-nous, Seigneur. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Pour l'Église, qui doit être inventive pour rejoindre les chrétiens qui ne peuvent se regrouper. Pour notre communauté, qui cherche à accueillir davantage. Seigneur, accorde ton soutien et ta force. Dans ta miséricorde, exauce-nous, Seigneur. Dans ta miséricorde, exauce-nous. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a montré le chemin du service. Que ton Esprit Saint nous donne d'être de bons et fidèles serviteurs de nos frères, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi dans ce pain, fruit de la terre à travers des hommes, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie à travers des hommes, nous te présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, qu'à chaque fois que célébré ce sacrifice à mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui est accomplie par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Christ notre Seigneur, c'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton Esprit, pour que devienne ton corps et ton sang. Le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a-t-il célébré ces mystères, dans lui-même fut livré. C'est-à-dire, aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il a donné à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versée pour vous et pour l'habitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es tellement.
en faisant mémoire de ton Fils qui, de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, sacrifie ton Église et daigne-la connaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que ce même Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, a permis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Jacques, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples de racheté. Sur toi, Seigneur Dieu, tous nos frères, nos amis et même ceux qui ne connaissent pas, qui souffrent, qui sont malades, qui sont en attente, qui sont dans l'angoisse à cause du virus et aussi des autres maladies. Écoute la prière de ta famille rassemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tout le monde, tout est grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, nous pouvons dire la prière à ce Père qui fait toujours miséricorde, qui est toujours attentif à tous nos besoins, au-delà de nos attentes, au-delà de nos espoirs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassemble-nous dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu étais des apôtres. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voilà, donnons-nous comme vous pouvons un signe de paix. Pensons aussi à tous ceux qui sont lointains, à nos amis, à nos familles. Prends pitié de nous, Seigneur.
Heureux, les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que les corps sont du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voilà, comme vous savez, le pape nous invite maintenant chaque jour à ceux qui participent à la messe de loin à avoir, à participer à une communion sacramentelle et spirituelle. Donc, on va le dire ensemble, si vous voulez bien maintenant, la prière qui lui dit chaque fois, chaque matin, depuis son heure. Et chapelle à Saint-Martin-Marthe. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant de ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans les pauvres demeures que t'offre mon cœur, dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô bon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Donc, nous allons conclure notre prière. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit règne pour les siècles des siècles. Comme vous savez, à ce moment de la célébration, on déshabille l'autel et on met tout ce qui reste dans le réservoir pour faire un reposoir ou prier ou adorer le Seigneur. J'ai préparé ici, tout à l'heure, j'ai consacré des hosties en nombre de tous les nos paroisses du doyenné. Et je les mets en reposoir en attente que nos paroisses vives puissent communier de manière non plus virtuelle mais réelle. Et en attendant ce moment, voilà, nous prosternons devant le Seigneur.